Merci. Voici longtemps, Elisabeth, que je n'ai plus de vos nouvelles. Où avez-vous passé les fêtes? Comment vont Tom et Isabelle? Ici, nous avons profité de la présence des enfants et nous avons dépoussiéré nos vieux souvenirs. Cécile avait fait des guirlandes rouges et dorées pour le 24, un pudding, une truite aux amandes, elle a revu un peu Agathe. Jean-Christophe, lui, ne change pas, il a ressorti ses Legos, il vient de signer un contrat pour 3 années. Toronto. Ils sont repartis tout à l'heure, Cécile, à 5 heures de trajet. Ils sont repartis tout à l'heure, mais je repensais. Un vendredi après-midi, nous étions encore à Saint-Cloud, Pierre est rentré et il a dit: j'ai trouvé quelque chose pour nous. Et puis nous sommes arrivés là, Cécile avait 5 ans et demi. En 1983, ici, à Châtenay-Malabry. C'est un dimanche après-midi, je suis assise dans la grande salle, les murs de Châtenay-Malabry, les rires du passé me font mal. Ils sont partis avant midi, chacun a sa vie, c'est normal. Je vous écris dans les vestiges du jour de l'an. Il y aura des photographies que nous mettrons dans l'album blanc. Cécile dira à une amie: mes parents étaient très contents. Ils vivent à Châtenay-Malabry, ils s'ennuient un peu maintenant. Voici longtemps, Elisabeth, que je n'ai pas.